Toi, merci, et parce que vous êtes disponible pour nous pour nous parler. Bonsoir Ismaël Valestin, et merci beaucoup de fait que vous avez l'opportunité ça pour nous porter quelques clarifications et aussi un démenti formel à rumeur ça, et qui parlait de 4 millions de dollars qui disparaissent dans l'ambassade là. So, et démenti m'a porté avant, je que pour me dire que premièrement, volonté pour montrer la polémique à quiconque. Tout simplement, il y a une information sortie sur l'ambassade là, il y a le devoir pour des clarifications, pour auditorio, parce qu'on connaît que autant de hommes. Pour nous dire, premièrement, pas n'y a aucun audit qui était fait ou bien qui est fait l'ambassade là, comment on dit qu'on a un montant X, un montant exact qui manquait. Parce que ça, c'est irresponsabilité. Parce qu'on a parlé de chiffres, on a parlé de mathématiques. La carité pour dire 4 millions qui manquaient ou bien qui perdu sans pour autant avoir un audit qui fait, qui révèle, qui dit, mais mon temps qui était supposé gagner, mais ça n'a pas gagné, mais ça qui manquait. Parce que ça, c'est irresponsabilité de déporter un démenti formel à ça. Par contre, sur la des trucs, moi, c'est à soi, mais pas de ma démenti, il y a 4 millions qui disparaissent là. Pour me dire oui, ambassade là, nous disons un truc là, reconnaître des missions diplomatiques ou des missions consulaires qui ont informé la demande de passeport en mer toujours, qui peut proposer à l'ambassade là, qui gagne une dette pour l'ambassade là, pour permettre au moins le passeport là en fait. Ça, il y a eu le temps, ça a ouvert, il y a des consulats, il y a des ambassades qui ont des demandes de passeport en mer, qui gagnent plusieurs mois, qui peut proposer venir à Washington. Ça, je pense que c'est responsabilité de chaque consulat, chaque chef de poste, pour envoyer des demandes de venir. Et l'ambassade là, unité passeport, l'ambassade là, traiter de demandes ça, pour envoyer le passeport retourner. Et ça, c'est mon cadre pour le moment. À qui ça peut-être? Qui intention? S'il faut le dire, il y en a bien l'autre, ce soit l'on rime ou bien information. À qui intention on moun ta valage ça comme rumeur sans le bagage en main, il dit il y a 4 millions de dollars qui disparaissent dans l'ambassade Haïti et États-Unis. Bon, premièrement, je pense que j'ai des rumeurs, qui ce qui est vérité là-dedans ou pas. D'abord, on a dit que l'ambassade là n'est pas servi à cash. Toute mission qui est dans le pays étranger, qui vont payer pour passeport, qui vont faire dans l'unité passeport Washington, là, c'est ce qui est fait la fête sur notre ambassade d'Haïti Washington, qui est déposé sur un compte que il y a le compte passeport. On ne peut pas changer, on ne peut pas faire rien de travail que déposer sur le compte ça. Et nous pensons que si bien pour quelque chose à passer là-dedans, son audit pour qu'il fait pour qu'il y ait une irrégularité quelque part. Mais sous pas faire audit. Comment faire l'été pour qu'il y ait 4 millions? C'est que quand ils ont 4 millions connectés là, soit ils déposent là, ou bien on va revenir, ou bien à pomper ça me passer. Mais normalement, on monte quand ça va pas sortir son compte ambassade. Parce que ici aux États-Unis, depuis 11 septembre, la transaction bancaire pas aussi facile. Non, bon, en fait. On dit la transaction bancaire va faire. Il faut pas des explications sur eux. C'est conservé ici. C'est pas un côté où on va aller. Depuis qu'on fait une transaction bancaire aux États-Unis, il faut dépasser 10 millions de dollars. Il faut rien compte pour bail, il faut rien explication pour bail, il faut pas des détails pour faire tout bagaille. Alors, ça va se dire que ça n'a pas d'information pour nous, c'est Ruben Rémy. Ça me dit comme à titre d'information, oui, il y a des consulats, il y a des ambassades qui gagnent des dettes pour une unité passeport là parce qu'il y a un formulaire de demande là, mais il y a un ouvrier venu. Parce que là, il y a un formulaire de demande passeport, il faut accompagner d'un chèque. Si il y a un ouvrier venu sans chèque, parce que un chèque, c'est acheté là, c'est livré. Il n'y a pas à faire aucun métier. Son façon pour nous dire que oui, il y a quelques missions consulaires, quelques ambassades, qui ont une dette, ou ambassade là. Ça va rien d'autre dans ça. Mais question, pour mon abdi, 4 millions disparaissent dans l'ambassade, on a suivi quelques validités, 4 millions qui cachent dans l'ambassade là, qui ne connaît pas. Mais si c'est une conversion bancaire, après, c'est impossible.
Moi, insister sous les sous des missions consulaires ou bien quelques ambassades qui gagnent dette pour ambassade Haïti, États-Unis, qui sauve les dit. Ok, on m'explique le processus là. Pour y'en aller, pour une clarification des auditeurs, je comprends. Il y a toujours des ambassades là, mais en fait, c'est pas oublier que l'unité passeport là, c'est une entité du ministère de l'Intérieur. Ambassade là, sont entité du ministère Affaires étrangères. Affaires étrangères avec le ministère intérieur, ils vont encore, ils ont hébergé l'unité passeport là, qui est dans le cinquième étage de l'ambassade là. Mais toute question opérationnalisation, quand c'est la question passeport, l'ambassade là lui-même n'est pas vraiment impliqué là-dedans. Parce que l'unité passeport là vont employer le ministère intérieur qui sont chef de service. Les consulats ou bien ambassade là, recevoir demande passeport là, mais on a ici un cadre de pays étranger, il paye pour lui. Consulat ça, il y a pour devoir, pour le voyer, formuler une demande passeport citoyen argentin, accompagné de montants de supposé payer pour l'IA. Après, les demandes sont arrivées, il a eu son unité passeport là directement, unité passeport là traité dossier. Après, il a pris le passeport là. Chaque ça, il a déposé chaque fin de semaine, tout ce qui vient, il a déposé son compte passeport là, on compte pour ça, parce que tout ce qui vient, il a fait sous nom ambassade d'Haïti Washington, parce qu'il n'a pas servi à cash. Soit consulat ou bien ambassade, soit le budget, ou bien soit le fait, ça arrive en revirement bancaire, de compte par lit à compte par ambassade. Mais il y a un cash qui est utilisé dans ça. Là, je parle de problèmes qui viennent de nos consulats. Il y a des consulats qui ont formé leur demande à la main, les recevoir. Ils prennent le temps pour envoyer formé leur demande à Washington. Moi-même, il y a des situations actuellement là, il y a des consulats. Qui gagne n'importe 4 mois, formulé au lendemain, et pourquoi vous voulez devenir Washington. Mais, nous sommes Washington, décision par nous, généralement, si formulé au lendemain sans chèque, vous mettez la poche par faible, parce que c'est livré, j'aime ce jour-là, c'est livré à l'État haïtien, ministère intérieur, unité passeport-là, pape imprime les passeports-là tout le temps. L'ambassade va confirmer l'administration, va confirmer avec lui qu'il recevra tant montant pour tant passeport de telle mission. C'est pour ça le fait. Nous pas, c'est parce que consulat côté passeport sortir ou bien ambassade côté le sortir, il est touché pour lui déjà. Bien sûr. Et puis l'agir à citoyen haïtien, il paye déjà pour passeport de Mandi Féa. Il fait de Mandi pour envoyer son avenir. On va faire des copes là, avec formulaire à Bavoyou, ou bien on formulaire à Bavoyou, là. Parce que l'État, il s'agit de ce jour, c'est plus d'acheter, acheter les vrais passeports. Il va imprimer des passeports gratuits. Mais Israël a payé les passeports, consulat ou bien ambassade à rien pour devoir, vous voyez, ni comme dans les formulaires là, par l'ambassade à Washington, il va acheminer la NT passeport là, qui est télé, qui est correct, qui va imprimer passeport au gouvernement. Eh bien, ok, merci en pile, ambassadeur Bouchit, parce que le message là, lui-même, lui passé, et l'agence, on va prendre le dé. Bon, merci en pile pour l'opportunité, au moment pour porter des rentrées à l'agent de rumeurs, ça. Le problème, parce que l'important dans le pays, il y a des gens qui ont pris la parole, qui ont parlé, et tout le monde attendait, qui ont dit la vérité. Et si bien pour confirmer, ou bien quelque soit ça, au mandat de confirmer demain, et bien que le fait à partir d'un audit. Parce que ces chiffres, n'ont pas parlé, c'est mathématique, n'ont fait. Nous pas avoir un montant exact monté, ça pour autant pas d'un audit qui est fait au plein côté, pour qu'on ait qui s'allie. Parce que ces chiffres, de la part des chiffres, il est dit qu'il y a des experts, il est dit qu'il y a des gens qui la connaissent dans la matière, qui a venu, qui a regardé. C'est au bout qui va résultat. Parce que l'on a parlé, il y a étudiants qui attendent, il y a élèves qui attendent, il y a des gens qui l'apprennent qui attendent. Il faut nous parler pour les gens parler, pour nous dire, ah oui, un tel parole, c'est vérité. Mais on ne va pas mettre dans la situation pour les parler, pour dire, ah, ils ont habitué à ça déjà. En tout cas, merci un peu. L'ambassade a été ouverte. Merci un peu pour nous faire une bonne opportunité. Et à chaque fois, nous avons fait ça, nous avons fait avec plaisir.
Merci en pile. Voilà. Ambassadeur Edmond Bouchit, nous avons parlé avec lui là. Eh bien, qui t'a PC démenti question 4 millions de dollars américains qui t'a fait route crochée dans l'ambassade Haïti, États-Unis. Eh bien, nous allons jouer avec vous. Nous allons jouer avec vous. Et nous avons un principe là déjà. Après, moi, j'ai une question. Nous avons les ébats et nous baillons. Eh bien,